On ne voit jamais la pensée, on voit jamais, non pas la, la, la conscience, plutôt la volonté, on ne voit jamais la volonté. La volonté, la, 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 les pensées, les sentiments, on ne voit jamais. Personne n'a jamais vu son intelligence. Ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la raison, la personnalité humaine. Alors, la vie de la chair, c'est donc ces éléments-là qui dominent en ce moment-là. La vie qui donne les ordres à la vie corporelle. Notre corps humain physique est différent de notre corps humain chair. La chair est une partie spirituelle de l'homme. Même celui qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, son Esprit n'est pas renouvelé ou né de nouveau. Il, a, il vit par la chair, par la raison, par les cinq éléments-là. Alors, donc, au, au verset, lorsque on descend au verset 8, on dit, oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Alors, c'est lui qui est mort avec Christ et donc libre du péché. Libre du péché, ça veut dire libre de Satan. Le péché s'installe sur la chair. Il travaille sur la chair. Alors, le vieil homme, c'est une autre dimension. C'est un bloc de mode de vie nous avons vécu lorsque nous étions dans l'esclave du péché. L'esclavagisme plutôt du péché. Mais on dit que lorsqu'on est mort avec Christ, on n'est plus esclave du péché. Donc notre vie est donc détachée du péché. Nous sommes nés de nouveau. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur notre nouvelle vie. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, la mort n'a pas de pouvoir sur une personne qui est née de nouveau. Donc, si toi, tes entrailles sont morts, essaie de voir, est-ce que c'est -ce est pas ressuscité, essaie de voir ta nouvelle naissance. Tu as quel baptême? C'est vrai que tu as cru en Jésus-Christ. Mais si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas reconnu par Christ parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas un baptême pour devenir enfant de Dieu. Le baptême pour devenir enfant de Dieu, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. On te plonge dans l'eau une seule fois. Au nom de Jésus-Christ, tu meurs avec Jésus. Et tu ressuscites avec Jésus. Une seule mort et une seule résurrection. La résurrection de Lazare n'a jamais été une résurrection. Lazare dormait. Quelqu'un qui dort, on ne le ressuscite pas. On le réveille. Donc, si tu vérifies ton baptême et qu'il n'est pas authentique, parce que la Bible dit qu'il y a un seul baptême, il faut qu'il soit le vrai et le baptême authentique. S'il n'est pas authentique... Tes entrailles resteront comme ça parce que Satan aura toujours le pouvoir sur tes entrailles. Satan aura toujours le pouvoir sur ton corps, sur ta santé. Alors, tu devras vérifier ta nouvelle naissance. Tu dois réellement correspondre à ce que la Bible dit, ce que la Bible dit. Si tu es réellement né de nouveau, les choses anciennes doivent, on doit constater le départ des choses anciennes. C'est-à-dire que crucifié, les choses anciennes doivent être crucifiées. Et tu dois manifester de nouvelles choses. Mais ce n'est pas ce qu'on voit en toi. Mon frère, ma soeur, repends-toi. Le baptême, c'est quelque chose de simple. Même, quand, même si on t'a baptisé 20 fois. Mais si ce n'est pas le vrai, refais. Retrouve quelqu'un qui peut te baptiser normalement. Le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint, c'est le baptême des nations. Ça, c'est notre grand enseignement. Ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des valeurs. Les baptiser au nom du Père, c'est inculquer des valeurs du Père en eux. Le Père, c'est Dieu, c'est Jésus. Le Fils, c'est Dieu, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus. Inculquer les valeurs chrétiennes dans ces sphères d'activité qui résument les, le, 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 les nations ici, c'est des grandes sphères. Nous aurons le temps de pouvoir revenir là-dessus. <laughs> voilà. Donc, le vieil homme. Et donc, crucifié avec Jésus, c'est aussi un fait divin. Pour vivre une nouvelle vie, il faut s'attacher au fait divin. Premier fait, le C, la crucifixion. Tu acceptes que tu as été crucifié et que ton vieil homme aussi a été crucifié. Le deuxième fait, tu es identifié homme comme Jésus. Homme. Troisième fait, tu es ressuscité avec lui. Mais le vieil homme n'est pas ressuscité. Il faut accepter ça. Quatrième fait, tu es devenu illimité. Tu ne vis plus une vie d'esclavagisme. Cinquième fait, tu es devenu surnaturel. La sécurité, la sainteté, mise à part par Dieu. Et donc... Le dernier fait, c'est donc la transformation qui est en toi, la terreur de Satan qui est en toi, et tu es aussi un témoin de Christ pour donc témoigner dans le monde entier. Alors, tu dois aussi savoir que le chrétien peut manifester un acte de péché. Mais il n'est pas pécheur. Il n'est pas identifié pécheur parce que il ne vit plus dans l'esclavagisme du péché. Le péché, c'est une personne. Il est libre maintenant. Donc, toi, tu es libre maintenant. Tu as une nouvelle vie que tu dois manifester. N'oublie pas que la vie de la chair nous crée des problèmes. Alors, regardons un. Corinthiens 3, 12 à 15. Tu, as, tu dois baser ta vie sur des éléments importants. Sur des éléments très, très importants. Hein, Corinthians? Un Corinthien. Un Corinthien, je disais, 12. Un Corinthien, 12. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici Or, si quelqu'un... Bâti sur ce fondement avec de l'or, souligne ce fondement, avec de l'or, avec l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du char, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste car le jour la fera connaître parce qu'elle se revelera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun ici on parle de deux personnes avec deux modes de vie différents mais on nous parle d'un fondement de vie notre ancien mode de vie a eu un fondement son fondement c'était donc le vieil homme la chair, la vie de la chair qui ne triomphe jamais. La vie de la chair, c'est une vie bâtie sur du bois. Suis-moi bien. Il y a, y, a y a deux groupes d'éléments ici. Il y a de l'or, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de l'argent, il y a de la pierre précieuse, il y a du bois, il y a du foin et il y a du chaume. Donc l'ancien mode de vie était fondé sur du bois sur du foin, sur du chou. Alors, ces trois éléments-là ne sont pas résistables. Je dirais peut-être si le mot n'existe pas. Mais ne sont pas solides. Ça ne peut pas traverser le feu. Parce que toute vie chrétienne passe par des épreuves. Dieu éprouve toutes choses. Pour pouvoir couronner notre vie chrétienne. Le salut, c'est une chose, mais la persévérance te donne le couronnement, te donne les récompenses de vie. La vie chrétienne ne s'arrête pas au niveau du salut simplement, mais il faut courir et dans les normes de la course afin que tu sois couronné à la fin. Alors, pour une course, c'est une épreuve. Alors, cette épreuve, Dieu dit qu'il met le feu devant nous. Il met donc les persécutions, les situations. Alors, pour traverser ces situations-là, il faut regarder ton fondement. Le fondement ici, c'est Christ, l'or, l'argent et les pierres précieuses. N'oublie pas que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ dit qu'il est l'or et l'argent, c'est lui. Alors. Lui, c'est fond, un fondement solide. C'est donc le fondement de la vie chrétienne. Ça peut te faire traverser toutes les épreuves que tu peux imaginer. Tu es en train de traverser des moments difficiles, mais ta nouvelle vie n'a pas de victoire. Ta nouvelle vie est comme ton ancienne vie. Rien ne change, mon frère. La, la nouvelle vie on mène la paix, on mène la joie, on mène le succès. Mais je me pose des questions. Où en es-tu avec ta nouvelle vie? La nouvelle vie se trouve où? Tu l'as laissée où? C'est simplement parce que ton fondement n'est pas Jésus-Christ. Oh, au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. C'est Jésus la parole de Dieu, la parole créative. Alors, si tu t'assois sur cette parole, la parole, pas la parole écrite, la parole écrite, ne no vivifi vivi, pa Mais il faut chercher ce qui vivifie la parole écrite. Donc, il faut chercher la parole vivante. La parole vivante, c'est la révélation de la parole écrite. Il faut comprendre qui est Dieu. Il faut comprendre qui est réellement Christ que tu as accepté. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut apporter de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré vraiment? Est-ce que celui qui a rencontré Christ, il a des impacts sur sa vie? Il a toujours des impacts. Aujourd'hui, tu vas en Israël, il y a des impacts de Jésus. C'est une nation qui a rencontré Christ. Si tu rencontres Christ, il y a des impacts dans ta vie. Où sont les impacts Où sont les impacts dans ta vie Où es-tu avec la vie chrétienne La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de honte. Toi, tu vis la honte en permanence. Mon frère, je te condamne pas, mais tout ce que je veux est que tu te réveilles. Reveillez-vous, il y a plus de temps. Reveille-toi, reveille-toi et prends les choses en main. Base ta vie chrétienne sur Christ. Tu verras la victoire et tu témoigneras Christ. Reviens. Quand Marie et Marthe sont partis, ils ont oublié le petit enfant. Ils sont repartis chercher le petit enfant. Reviens chercher Jésus. Tu l'as laissé quelque part et à longtemps tu l'as laissé Jésus. Tu es en train d'avancer tout seul. Jésus est où? Tu pleures aujourd'hui. Toutes les nuits, tu pleures. Tu as insomnie. La maladie, là, ne te quitte pas. Est-ce qu'un chrétien doit vivre la maladie? La maladie est satanique. Quelle que soit la forme de maladie, elle est satanique. Je ne te parle pas d'une maladie connue. Je dis... Sorte de maladie est d'origine satanique. Ça ne peut pas te toucher, ça ne peut pas rester dans ton corps. Homium, fibrum, ça ne peut pas rester dans ton corps. Le corps d'un chrétien, ça ne peut pas rester sida, hémorroïde, typhoïde. Ça ne peut pas rester longtemps dans le corps d'un chrétien. Il peut être touché. Tu peux être touché par une telle maladie, mais lorsque tu reconnais ton identité, tu refoules ça. Tu as déjà vu Pierre malade Paul était tombé malade Jean était malade tous ceux qui ont accompagné Jésus, ceux qui étaient malades ont même retrouvé leur guérison. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que le miraculeux soit notre partage Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui nous bloque Alors, dans la lecture que nous sommes en train de lire, écoutez-moi. Alors, c'est jusqu'à 15. On dit L'œuvre de chacun se manifestera car le jour. La fera connaître. Le jour, c'est quoi Le jour, c'est Christ. Le jour la fera connaître. Et dans le feu, et plutôt le feu éprouvera. Alors, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra, il recevra une récompense. Et l'œuvre, et il, si l'œuvre, de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Si ton œuvre, l'œuvre que tu fais de Dieu, c'est pas l'œuvre de Dieu ici, c'est pas l'œuvre pour Dieu. L'œuvre pour Dieu, ce sont les actions, les activités que nous menons à l'Église, les responsabilités que nous avons à l'Église, le ministère que nous avons. Apôtre pour moi, c'est une fonction. C'est pas ce que je suis. Je suis moi-même d'abord l'enfant de Christ, né de nouveau, et j'ai l'œuvre de Dieu à faire. C'est ma vie, mon mode de vie. Et après, j'ai les actions pour Dieu à faire. Organiser le culte, préparer le message, prier, et venir t'enseigner, c'est l'œuvre pour Dieu. Mais je dois vivre l'œuvre de Dieu, moi-même d'abord. Je suis d'après tout un chrétien croyant comme toi. Donc j'ai aussi besoin d'expérimenter l'œuvre de Dieu en moi. Comme toi tous, nous devons chasser la maladie loin de nous. Le chômage loin de nous. La pauvreté loin de nous. La stérilité loin de nous. L'incompréhension loin de nous. Nous devons poursuivre ces choses-là. Alors, quand on regarde la lecture, nous trouvons que il est important de crucifier notre chair à cinq niveaux. Dis-moi pour terminer. Le premier niveau, c'est pour que nous soyons participants de la nature de Christ. Si nous acceptons de crucifier, d'accepter que la, 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 le vieil homme et notre chair doit être crucifiée avec le vieil homme, c'est pour que nous soyons participants de la nature de Christ. Ça, on peut voir ça dans Galates 2, 20 à 21. Galate 2, 20 à 21. J'ai... Été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que Paul était à la croix? Non. Qu'est-ce qu'il identifie à la crucifixion? Il est en train d'identifier son vieil homme et sa chair. La vie de la chair. Il dit J'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La chair n'a plus le pouvoir de vivre en moi. Le vieil homme aussi n'a plus le pouvoir de vivre en main. Le vieil homme, ce sont les remontées des choses que tu as fait avant. Ça remonte, ça revient et tu as envie de faire. Surtout pour les 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 les, 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 ceux qui, ceux qui fument la cigarette. Ils ont envie de faire la même chose. Ceux qui boivent de l'alcool ainsi de suite, ceux qui fument le chambres. ils ont envie de refaire la même chose. C'est ça le vieil homme qui remonte l'information et qui te dit voilà, voilà tu es maintenant voilà maintenant tu, tu n'as pas de travail, tu as perdu, tu étais pour toi en train de faire de travail dans la boîte de nuit en mode miroir, mais là aujourd'hui là maintenant voilà. Voilà, repars seulement là-bas. Voilà, ton enfant est en train de souffrir. Ça te remonte les infos. Et toi, tu vas maintenant chercher à coucher avec n'importe qui pour avoir de l'argent. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il a crucifié ça. Et que ce n'est plus lui qui vit. Il constate que dans sa vie, il y a quelque chose de nouveau qui vit en lui. C'est ça ce qu'on appelle. Ma nouvelle vie. L'apôtre Paul a identifié sa nouvelle vie. Ce n'est plus lui qui vit. Donc lui c'est l'ancienne vie. Et maintenant la nouvelle vie c'est Christ qui vit en, en lui. Donc si tu veux impacter, accepte la nouvelle vie. Et accepte de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte que la nouvelle vie est en toi. La foi de Dieu nous est donnée pour tenir vrai cette nouvelle vie en nous. La foi en Dieu c'est la foi ordinaire où tout le monde croit. Je crois, je crois, le verbe croire. Mais la foi de Dieu, c'est une nature. Et c'est Dieu lui-même qui qui témoigne sa présence en toi. Et tu commences à craindre cette présence-là et à manifester donc la vie de Dieu. C'est l'apôtre Paul donc, qui fait ce constat-là. Il dit « Et si maintenant, et si je vis maintenant dans la chair, je vis plutôt dans la foi au fils de dieu il remplace sa chair par la foi qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi 21 je ne rejette pas la grâce de dieu car si la justice s'obtient par la, la loi christ est donc mort en vain la justice ne s'obtient pas par la loi aucune loi ne peut D'identifier juste. Mais Christ lui-même, par sa mort, a identifié tout celui qui a accepté sa vie. De croire là, il a dit qu'il est juste. Tu es justifié par lui-même. Voilà. Acclame Jésus, sois content. Voilà. Tu peux regarder ça dans 2 Pierre 1:4. Tu trouveras la même chose. Donc, nous, nous sommes donc participants de la nature divine de Christ. Deuxième point. On reprend aussi l'odeur. C'est pour reprendre l'odeur de Christ en nous. L'odeur de Christ. Alors, comment reprend l'odeur de Christ de Corinthiens 2 14. De Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui reprend par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Aïe, aïe, aïe. En tout lieu partout là où tu te trouves, on doit sentir Christ. Tu sens Satan. Quand tu vas là, tu sens Satan. Voilà pourquoi les gens fuient. Un querelleur, celui qui cherche des querelles, il sent Satan. Un calomneur, une calumneuse... sent Satan. L'odeur qui sort en toi, c'est Satan. Alors Christ dit quoi Nous qui avons accepté Christ, en tout lieu, nous devons Jésus Dieu, Dieu lui-même, repend en nous son odeur, l'odeur de Christ. Reçois cette grâce-là que les gens trouvent quelque chose d'extraordinaire dans ta nouvelle vie. Ma nouvelle vie, c'est ça le titre. Ma nouvelle vie. Colossiens 3, 1 à 4. Je lis, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. On n'a pas le temps pour développer, prochainement on reviendra. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je suis obligé de revenir là-dessus. Alors, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est simplement les choses que le Saint-Esprit nous a d'en haut. Le Saint-Esprit nous a un seul fruit. L'amour. Et dans ce fruit-là, on a beaucoup de choses d'en haut qui sont venues avec. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, l'amour, c'est la paix. L'esprit de l'amour, c'est la paix, la joie, la bénédiction, la, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Ainsi, de sujet chercher ça. Parce que si tu vis ça, Christ paraîtra en toi. Quand Christ paraîtra, c'est en ce moment-là qu'on va reconnaître ton identité de chrétien. Voilà pourquoi on doit commencer disciple et chercher à ce que Christ paraisse, paraît plutôt, afin que les gens identifient Christ dans notre mode de vie. C'est les gens qui nous identifient chrétiens, pas nous-mêmes. Je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. C'est eux qui doivent t'appeler chrétien parce qu'ils ont vu Christ vivre en toi. C'est très important et c'est très capital. Alors. Les choses d'en haut, 1 Jean 5, 4. Parce que je suis obligé de revenir là-dessus. Je, je voulais ne plus revenir. 1 Jean 5, 4. Les choses d'en haut, c'est quoi Je venais de donner l'exemple global. Mais parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà, la foi est liée à l'amour. Si on ne croit pas, on ne peut pas aimer. La foi, Dieu, la foi c'est la nature de Dieu. L'amour aussi, c'est la nature de Dieu. Dit, la Bible dit que Dieu est amour. Donc les choses en haut c'est Dieu. Et Dieu c'est la foi. Dieu c'est l'amour. Alors, 1 Jean 2 15. N'aimez point le monde. Voilà. L'amour vient ici. Maintenant, pourquoi tu comprends que les deux choses d'en haut sont là? Donc, ni les choses qui sont dans le monde. Si, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. Les deux choses qui sont, les deux dimensions de Dieu qui sont une seule. Voilà. Dieu est amour, Dieu est la foi, Dieu est esprit. Et est, en fait, c'est une seule personne en plusieurs dimensions surnaturelles, dimensions divines. Voilà. Les choses d'en haut. La foi pour tenir vrai la présence de Christ en toi, pour t'appeler à amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Mais l'amour, c'est pour te permettre de vivre en paix, de dégager, de, paraître, de faire paraître Christ en toi et de toucher ceux qui sont donc dans ton environnement. Alors, 4, euh, c'est pour donc être triompher du monde. Alors, comment triompher du monde C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste pour triompher du monde. On ne triomphe pas du monde n'importe comment. Romains 8, 11. Romains 8, 11 dit ceci. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que tout ce qui est mort dans ton corps retrouve la vie au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alors, donc, notre nouvelle vie nous emmène la résurrection dans tout ce que nous entreprenons, la résurrection dans nos entreprises, dans notre vie, dans notre, donc, Environnement. Alors, le dernier point, c'est donc le pouvoir qui donc a changé de main. Lorsque on vit une nouvelle vie, le pouvoir qui était dans Satan, Dieu te le transfère. Matthieu 28, 18. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus s'étant approché l'heure par là, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, il dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et donc sur la terre. Jésus est la tête. Jésus, il dit, sur, dans les cieux et sur la terre. Donc, il tient les cieux, ce pouvoir-là, le pouvoir de Jésus-là, tient les cieux, donc, domine les cieux et domine la terre. Alors la terre ici, ça domine avec qui La terre ça domine avec qui Avec le corps. Qui est de son corps C'est tout chrétien né de nouveau appartient au corps de Jésus. Donc si tout pouvoir lui a été donné, donc son corps, lui il est la tête et nous sommes les membres du corps. Donc le pouvoir s'arrête seulement au niveau de la tête. Non, le pouvoir aussi descend sur le corps. Voilà pourquoi il dit je vous donne l'autorité de marcher sur, il cite, et il dit sur toute puissance de l'ennemi. Il reconnaît que l'ennemi, son ennemi à lui, et notre adversaire a une puissance. Et nous, il nous donne une autorité que lui, là, tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir-là est sur son corps. En commençant par la tête qui est Jésus et le corps que nous sommes. Donc, reconnais aujourd'hui que tu as le pouvoir de Jésus d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence dans ta maison, dans ta vie. Tu as le pouvoir de Jésus en toi. Il t'a donné encore, malgré que tu fais partie du pouvoir, mais lui t'a donné encore une, un, un pouvoir, une portion personnelle, de façon individuelle. Voilà. Comment tu peux échouer avec un tel pouvoir La Bible... Et notre miroir. Lorsqu'on vit la vie de Christ, on vit une nouvelle vie, nous vivons la vie du miroir. Premièrement, lorsque nous sommes devant le miroir, le miroir nous reflète ce que nous sommes d'abord. Ça, je ne te le lis pas. Tu regardes Jacques 1, 23, 24, Galate 5, 22, les deux derniers versets, ce que tu vas lire à la maison. Mais ce qui est intéressant est que, tu dois savoir que tu as la responsabilité de ta propre vie. D'abord, l'obligation de veiller sur ta propre vie. Parce que Christ que tu as reçu est un miroir pour toi-même d'abord. Avant de regarder les autres, regarde ton miroir chaque matin. Contrôle-toi. Et sors dans le contrôle. Tu verras la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui nous ont suivis.